Fabrice Proux, bonsoir. Bonsoir. Jean-Christophe, bonsoir. Bonsoir. Ao, vous êtes tous les deux patrons donc du bistrot des Globetrotters à Bordeaux. Voilà. Il n'y a que lui, hein. Il n'y a que lui. Moi, je suis pas la patronne. Le patron, c'est ma chef. Et t'es la chef. Voilà, tout à fait. C'est situé où, ce restaurant? Rue de Cursol, à Bordeaux. Cursol. Et depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans en septembre. Ouais, ça va faire 2 ans, votre spécialité? La World Food. Ah, c'est quoi? En fait, on fait aussi bien des plats français revisités que des plats totalement étrangers, assortis de vins étrangers, de bières étrangères. C'est l'idée du resto. Donc ce soir, vous êtes ici à l'Insider, hein, donc aux Épicuriales, pour la première fois, parce que c'est la première année. Voilà, vous allez pouvoir exposer un peu, montrer votre savoir, c'est un peu ça l'objectif? Oui, tout à fait. Vous allez commencer par quoi? Alors en entrée, j'ai fait quelque chose d'assez frais, vu les températures, je ne me suis pas lancée dans un truc très chaud. Alors j'ai fait un petit tube de crabe à l'anis vert, avec un petit tartare de langoustine, des petits coulis très frais, un coulis de tomate, un coulis de mangue, un coulis de piquillos miel, voilà, quelque chose de frais. Donc après, là, ça montre bien l'image du restaurant, j'ai fait un tataki de thon, d'accord, avec des arancini, pour la touche italienne, ouais, avec un petit ketchup de betterave, des petites betteraves cuites, crues, ouais, petite émulsion wasabi, et pour les desserts, quelque chose de très frais, je fais une île flottante revisitée, ouais, donc ça sera une soupe de fraises, ouais, avec donc le blanc qui sera incorporé à l'intérieur, pardon, avec une gelée menthe basilic, voilà. Merci à tous les deux. Merci. Merci pour toi.